responsable organisation Formula rete kwe journée et 8 mars là qui c'est journée internationale femme c'est une journée pour yo réfléchir garder bilan yo dans quatre batailles pour femme yo joui droit yo comme ça droit dans tout niveau et puis garder qui stratégie qui permet femme yo avancer. Yon extrait Marie Muriel Mornay Namiko Rachel Saint-Fort ak Fritnel Toussaint. Aujourd'hui c'est pas jour ça. Ou ka di yon fom bonne fête si nan acte de naissance li marqué 8 mars telle année ou met di bonne fête ak an pile ke content c'est joul. C'est joul pour le fêter alors. Mais nan niveau international 8 mars là c'est journée bilan, c'est journée pour nous faire constat sou ça nous fait déjà et ça nous rete pour nous faire et qui stratégie n'a pu utiliser pour aller plus loin nan goumen n'a faire pour que femme j'aime dire capable bien droit. Par contre en même temps que 8 mars là c'est une journée internationale, pas bon ici nous gagnons 3 avril qui c'est journée nationale pour droit femme ici côté jour ça plus passer 3000 femmes te prend la rue pour capable revendiquer droit. Premièrement au départ ça a commencé avec une question droit vote etc. et puis journée aujourd'hui on a revendiqué beaucoup plus d'espace parce que les espaces existent, c'est juste que nous avons un paquet de barrières qui fait que nous pas qu'à investir espace ça. Alors c'est ça, donc c'est 8 mars là, c'est journée internationale côté toute femme sur la terre capable dit voilà pour toute goumen nous fait, pour toute lutte nous mener, nous gagne jour ça pour nous faire bilan sur tout acquis nous gagnons. Plusieurs organisations femmes parmi eux, Femmiola, plateforme politique femmes présentées jeudi 8 mars là, ils ont ensemble propositions qui visaient permettre revendication et aspiration Femmio passer dans le processus amendement constitution. Coordonnatrice générale Femmiola, Natacha Clergé, expliquait dans semaine Cap Vinilay après mettre document by responsable commission et spéciale chambre députée qui travaille sur amendement constitution. Ils ont extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. Une première proposition nous fait, nous pensons que l'important pour que la Constitution soit en adéquation avec les valeurs qui sont dans le fondement de l'histoire nous comme peuple. Ça veut dire que le principe d'égalité, le principe de justice sociale doit traverser la Constitution. Dans ce sens, nous pensons que le premier élément qui est important, il faut que la Constitution fait présence de femmes paraître. Ça veut dire que l'important pour un texte là adopter une écriture qui est inclusive. Donc, dans ce sens, la question de féminisation langage là, nous pensons que c'est une question qui est incontournable. Deuxièmement, nous pensons faut nous proposer en fait. Il faut que le texte constitution fait sortir carré barré principe égalité entre femmes et garçons. Entre femmes et garçons, ça veut dire qu'il faut qu'on clause, il faut qu'on disposition spécifique qui dit que tout haïtien égal égaux, quitte les femmes, quitte les garçons, quel que soit côté la vivre sur territoire national là, que yo égal égaux. Troisième proposition nous fait, il faut yo kembe principe quota 30% femmes là. Dans la constitution amendée, dans l'article 17.1, li consacre principe là, nous pensons qu'il faut yo kembe. Et si yo élimine principe ça, son bac qu'a fait sous avancée démocratique, son bac qu'a fait sous droit femme et son bac que pays a fait. Non seulement il faut qu'il y ait des principes de façon générale, nous pensons qu'il faut renforcer dans le sens où différentes constitutions ont un paquet de structures que les prévoient existence, tant que conseil électoral, conseil d'administration des sections communales, etc. Donc il faut qu'il spécifie les principes quota dans la composition de différentes structures qui paraissent dans la constitution. Dans la semaine qui vient, nous allons soumettre proposition ça formellement par commission spéciale et spéciale dans la chambre députée qui a responsabilité pour l'amendement des constitutions et qui est présidée par le directeur Dieu. Nous allons aider et commission pour nous et suivre le processus amendement constitution à titre d'observateur. Ça veut dire pour prévoir un espace pour permettre association femmes, association féministes observer le processus amendement et constitution. Depuis plusieurs années, journée 8 mars là prend plus place dans la vie en pile société dans le monde. Journée internationale femme au soir, journée internationale droit femme n'ont attiré en pile débat dans tout secteur. Plusieurs femmes qui travaillent dans la télévision nationale d'Haïti pas caché appréciation yo sous sujet ça en 6 mars a présenté un reportage. Les arrivées activistes la ville tant qu'on dehors transformer la vie femme yo. C'est un baptême ça, Nations Unies célébrer journée ça pour l'année 2018 là. Journée ça représente lutte pour droit femmes, si toute réduction inégalité devant garçons capable respecter. Depuis plusieurs années, il constaté qu'un pile métier garçon te compte pratiquer côté femme a fait dans moment ça.
yon réalité qui fait fierté yon série femme. Nous sommes fiers, vraiment fiers, parce que dans mes temps de j'aime ça de là, dans mes temps paquet de garçons, m'a fait un bagage que en pile fille pensait pas qu'à faire, et puis moi-même m'a fait, en pile fille qui a pensé le difficile, et puis Emmanuel a fait, quoi. Ça fait fier. Longtemps, vous avez mis nous de côté pour nous intégrer dans la société à tout. C'est un plaisir pour moi, travailler. Ça a été limité, mesdames, longtemps. Pour nous, nous avons fait ça vraiment fait plaisir. Faut que vous plus plus de travail toujours pour qu'il y ait plus de femmes dans la Chambre des députés et dans le Sénat. Pour un pile, mesdames, la journée 8 mars n'est pas une journée spéciale. Parce que aurait été quoi chaque jour femme yo ta doit continuer à travailler pour faire valer tête yo. Nous connaissons dans dernier temps ça yo mesdames yo représenter nous ta capable dit potomitan yon femme potomitan yon société parce que c'est mesdames yo qui participent dans toute bagaille qui pour permettre ou prendre soin santé ou économique ou augmenter et l'autre bagaille encore qui pour permettre et bien ou gagne une société équilibrée une société assurée malgré effort qu'a fait yo nous ta capable dit poko vraiment fin tomber d'aplomb pour permettre mesdames yo 50-50 avec monsieur yo mais nous souhaiter force ça yo continuer une façon pour permettre et bien femme yo occuper vraie place dans société a yo ka tourner un grand entrepreneur faire business par yo tout c'est pas seulement essayer chercher travail avec moun créer business mettre compétences de yo et puis garçon capable compléter madame compléter maril la bon bon foyer et ti moun yo a bien une bonne éducation yen ba on femme ka fè yen ba un garçon pa ka fè prendre le cas de moi même m'ba jom monte en chaise mal pon ki dorm kout m'a pon garçon pire pour prendre pour moi son ba ki simple m'ba jom tout sorti dans la rue m'a pon bo ki sa mettre sous tête mais gen fi condition la vie avec to chômage ki yo vin fè yo adapté à des séries de situations qui pas faites qui pas ta faites pour yo mais obligé parce que il y a des papas démissionner dans foyer femme n'est obligé en même temps le femme et en même temps tout le garçon. Journée internationale femme yo célébré chaque 8 mars dans tout côté dans le monde. Premier journée nationale femme nan c'était célébré 28 février 1909 et c'est dans l'année 1977 Nations Unies reconnaît date ça. Université Technologie d'Haïti organisé yon conférence débat sous thème Femmes et sciences en Haïti entre rapport reconnaissance et mépris dans occasion Journée internationale droit femme yo jeudi 8 mars là Sibi Nazer yon nan intervenant yo mandé ak femme yo pour reconnaître droit yo dans société a pendant li encourager ministère conditions femmes ak droit femmes pour encadrer femmes haïtiennes si tout chaque fois yo victimes ak violence dans société a yo extrait dans micro Paki Sainte-Croix ak Frenel Toussaint. Conférence qui organisé jodi an c'est un gros bagay lié pour moi personnellement parce que je suis femme. OK et jodi an c'est 8 mars 2018 c'est pas fête femme mais plutôt c'est journée de réflexion sur droit femme en Haïti. L'autre des parler de femme, ça veut dire un pile bagaille parce que on côté familier l'hypothé la joie, l'hypothé gaieté tout ça. En femme qui authentique, en femme qui forte, c'est quelque chose. Donc monde là pas qu'à évoluer sans femme. Et université a fait un gros bagaille parce que il vient ensemble avec conférence ça. Premier bagaille c'est quoi dans tête nous. Quand notre nous c'est ça qui avant tout. Quoi être fière parce que nous c'est femmes. Parce que si non seulement pour nous quoi parce que nous c'est femmes, et nous fait tête nous tout. À l'école parce que ça prime en pile. Apprendre un métier et pas seulement rester chita, dire que ça que fière de femmes tout ça, faut qu'on approuve. Faut qu'on fière de ce que c'est femmes et faire fierté en tant que femme. Disons que madame ministre là, ministre du condition féminine qui c'est exactement Innocent Enid a fait un gros travail. Sincèrement, et moi félicite le travail que lui fait. Mais il faut qu'il pas oublier tout ce qui sujet pour lui accentuer. Parce que il y a des sujets qui sont plus sensibles que l'autre. Tant que violence qu'a fait sous femme. Ça c'est un bagage qui est primordial. Il est supposé accentuer plus sous ça pour être capable de porter la victoire concernant monde qu'a fait abus sous femme. Yon groupe étudiant nan faculté droit organisé yon conférence débat sous thème intégration femmes dans système judiciaire haïtien pour marquer journée internationale lit pour égalité droit femmes étudiant sa yo réalisé conférence ça dans l'idée pour faire yon chita parler sous divers problèmes qui empêchaient femmes yo intégrer système judiciaire yon extrait nan micro Hertelou Marie Dudon ak Toussaint Frenel nan conférence là
ça on mettait plus accent sur lui à part bien évidemment qui problème qui fait femme yo pas rentrer dans système là qui fait femme yo en minorité dans système là parce que faut pas oublier une bonne statistique qui bail femme yo moins de 10% dans système là sont environ 6,4%. Donc et nous t'ai non seulement mettre yo t'ai mettre accent yo à savoir intervenir t'ai mettre accent yo sous façon mesdames yo lever éducation que yo t'ai bail yo parmi proposition yo c'était en politique d'intégration que li doyé. Donc faut une politique d'intégration pour femmes yo, pour mesdames yo, pour tout monde qui a venu et depuis dans l'école ou encore même si depuis dans l'école même depuis dans petit cellule dans la société à savoir famille. Donc yo gardez mesdames yo, c'est tâche domestique que bay mesdames yo. Donc proposition c'est mettre tout monde à l'école, c'est faire mesdames yo prendre confiance dans tête yo. Dans l'occasion Journée internationale femmes jeudi 8 mars la coalition haïtienne femmes leader organisé yon journée réflexion sous thème violence qu'a faite sous femmes dans cadre activité ça coordonnatrice nationale Kofella Evelyne Choron dénonce violence sous toute forme qu'a faite sous femmes dans société. En suivre yon extrait dans micro d'Aline de Rival. Je dis à c'est 8 mars Journée internationale de la femme donc nous te font activité avec mesdames yo. Bon, on connaît que pour la Journée internationale de la femme, nous pas fêter nous-mêmes, nous fait c'est une journée de réflexion, une matinée de réflexion que nous avons gagné. Et surtout, une matinée pour nous parler surtout de violence, quoi, ça, parce que nous avons parlé de l'égalité de genre, nous faisons formation politique, puisque c'est rôle, nous, c'est mission. Mais je veux dire, nous avons plus thématique là, c'était violence aux femmes. Parce que nous avons des problèmes qui sont arrivés et nous avons pile femmes, parce que nous avons ici, là, nous avons un bureau COFEL avec un bureau IMED. Donc, mesdames, nous avons un problème, nous avons venu là, nous avons parlé avec nous, et semaine ça, nous avons eu un cas qui était très grave. Et c'est pour ça que nous choisissons thème ça, voir ça, et que nous avons invité le député Gerda Benjamin, député Gerda Benjamin, pour venir parler pour nous sur le thème. Non? Et nous avons invité tous les policiers qui sont responsables, Jean, dans la police là, qui est commissaire divisionnaire, Marie-Louise Gauthier, que tous les deux étaient parlé là, sur la thématique là. Yon Lot Chance Fondation organisé yon journée réflexion jeudi 8 mars là dans l'occasion journée internationale femme yo. Divers thèmes te débattent pour permettre jeunes maman yo comprendre connaissance grossesse avant les gains justement physiques. Reportage Anne-Marguerite Auguste ak Frenel Toussaint. C'est sous thème toute femme gain valeur. Yon Lot Chance Fondation organisé journée réflexion ça. Pour aider les jeunes mamans à comprendre la raison de la création de journée 8 mars, le droit et le devoir, et puis qui recours vous gagnez dans la justice si vous êtes victime de la loi interdite. Président de l'autre chance Fondation, Sarah Tessia Pierre, rappelez mesdames, objectif Fondation qui s'est accompagné pour reprendre place dans la société, permettre de comprendre l'importance. Femme, c'est le monde qui est fragile. Un peu de monde pense le fait que femme sensible et fragile n'est pas solide. Même toujours elle dit sa femme ou fragile ou sensible mais sa force solide ou son poteau mitan parce que porter un petit monde 9 mois c'est pas un mes affaire grandir un petit monde tout c'est toujours pas un mes affaire ou quand on papa ensemble avoir carré maou dans caille et puis ça pas empêcher c'est pour pas petit monde leçon mais petit monde l'école à chercher petit monde l'école et le plus souvent on a que petit monde beaucoup plus à l'aise avec maman que à l'aise avec papa yo yo la chose fondation là pour lui faire d'abord yon travail dans mentalité jeune fille ça yo pour parler à jeune fille pour dire jeune fille bon c'est vous au fond petit monde là vous pas fini pour ça nous pas camper là permettre que yo peut-être retourner à l'école parce que qu'on est en Haïti une jeune fille tombée enceinte par en mettre le dehors pas qu'à l'école l'école la mettre le dehors peut-être qu'elle a fini l'école le fait que le bon petit monde n'est pas qu'à l'université le fait que le bon petit monde n'est pas qu'à apprendre nos bagages professionnels pour tâcher nos travail des petits monde peut-être au fur et à mesure que la Brésil même qu'a fini décider à l'université. José Brunard, superviseur et promoteur dans Profamil qui t'a intervenu sur aspect planification familiale là. Expliquer planning familial représentait 90% plus bonne méthode mesdames yo ka utiliser pour planifier vie yo. L'hypothèse éclaircissement sur diverses critiques qu'a fait contre planning qui t'a fait croire c'est une mauvaise pratique qui bail conforme yo en pile problème. Nous même dans Profamil nous toujours dit moun yo leur planifier vie ou leur fond méthode de planning
son chance qu'on bail tête tout pour capable contrôler pouvoir faire petit tout pour capable faire l'or vler l'or prêt l'or parer pour ça et dans même optique ça on voit qui ces femmes qui ces garçons nous gagner des méthodes disponibles pour eux. Fait petit avant l'heure car la cause en pile déficit à Itimounio, d'après docteur Stradin bien-aimé qui t'a intervenu sur aspect grossesse précoce là. Li fait connaître sur 16 millions jeunes ti filles dans monde là, yo révélé 1 million entre 14 à 17 ans qui fait petit avant l'heure, avec 3 millions là-dedans yo qui fait avortement d'après dernières statistiques yo. Première conséquence c'est conséquence psychologique lui même la bien sur la vie parce que laisse à li gain rejet de famille là. Rejet de société et que tout le monde s'allie même vient affecté psychologiquement et que ça capable venir empêcher lui pour lui capable venir monde que lui-même il était doué devenir. Organisation Nations Unies en 1977 consacré date ça pour famille. J'ai noté Douli, yon l'autre chance fondation organisé yon journée réflexion jeudi 8 mars là dans l'occasion journée internationale Famio, divers thèmes te débattent pour permettre jeunes maman yo comprendre conséquences grossesse avant les gagner sous physique jeune tifi ak ti bébé. Fondation Nestor pour développement mettait bout à un atelier deux jours l'étape organisée pour plusieurs responsables organisation femmes jeudi 8 mars là divers thèmes ak sous thèmes qui gagne rapport ak droit femmes te débattent dans cadre formation ça qui permettent mesdames yo enrichir connaissances yo atelier formation fait dans occasion journée internationale femmes yo qui c'est jeudi 8 mars là en suivant extrait nan micro Richardson Jourdan ak Joseph Michaud. Son histoire pour le développement, son fondation qui a prévu dans deux champs d'action, c'est agriculture et puis éducation. Normalement, l'activité est pour, à l'occasion de 8 mars, ça a marqué en tournant par rapport avec le champ d'action dans l'éducation pour renforcement ensemble d'organisations dans la société civile. Faut que je joue bien et formation, atelier de formation, ça a duré deux jours. C'est 7. Qui c'est en formation nous va essayer de thématiques par rapport avec des monde des techniciens qui dans question qui parlait de féminisation qui parlait de thématiques femmes et puis dans demain par exemple qui c'est jeudi qui c'est 8 mars nous va remettre organisation ça chef organisation ça des certificats qui prouvaient que yo ka faire redistribution de et formation que nous baio faut moi je vous bien que journée 8 mars ça il marque un tournant et sur le plan mondial et surtout en Haïti parce que nous on a nécessité que filles au gain des fois pour prendre des positions dans question droit au gain etc. Alors c'est peut-être ça Fondation Nestor permettre que ensemble de chefs d'organisation recevoir formation ça pour qu'on puisse implémenter à travers leur organisation respective. Responsable Combit citoyen pour développement non tête collé avec plusieurs organisations femmes dans l'Isté célébré tant qu'au divers l'autre côté journée internationale Femmio journée réflexion conférence débat avec marche pacifique t'es pas mis activité qui t'est organisé pour marquer date ça dans commune l'Isté une ensemble activité qui réalisé pour témoigner importance catégorie ça dans société et puis porter sipoyo bayo dans mouvement pour exercer droyo tout bon vrai d'après quelques responsables organisation activité ça yon extrait dans micro Esaïe Aurelius ak Wilson Idore. Nous lancer message ça yo bay toute instance qui concerne femmes dans pays a pour voyager sous femme la Tibonite nous te kon fait petit programme chaque moun a fait dans local pa yo journée jodi a go fodem jan kon organiser avec l'autre groupe yo avec Cassid nous mettons ensemble a fait Seda nous mettez a fait poids nous mettez Ofad Pafapa nous gagnons OPPLL Cassid qui c'est combien de citoyens pour développement qui font un gros travail dans la vallée. Nous mettons ensemble pour nous dire, mesdames, ensemble, nous faisons pile qui choy, eh bien, on nous mette ensemble pour nous gagner des meilleurs dans la Tibonite. Pour exprimer volonté que nous-mêmes, dans le niveau CACID, pour que nous travaillions avec mesdames, pour permettre que le développement est durable à l'ivine. Des milliers de femmes réunies aujourd'hui pour fêter fête. Donc, nous-mêmes, dans le niveau CACID, nous pensons que c'était important pour que nous assistions, accompagnions, pour que nous coordonnions, mobilisions avec eux. De moyens par nous dans niveau CACID pour que vous fassiez activité ça. Dans l'occasion 8 mars là, qui c'est journée internationale Femmio, télévision nationale d'Haïti rencontré à diverses femmes dans l'idée pour parler sous date ça et puis sous travail à exercer dans la société. Il y a un reportage Rodney Dorléan.
Réalité, mesdames, yo, par rapport à plusieurs années qui déjà passé, pas même d'après constat et opinion quelques citoyens. Je ne jodi a, femme pas seulement rete dans caille pour laver, passer, faire manger et puis occuper tout le monde, mais yo présent tout dans divers secteurs dans la vie. Dans quelque soit condition, soleil chaud ou pas dans marché yo, ou joindre mesdames yo cap promener ou sinon chita pour vendre toute qualité marchandise. Mesdames yo présent tout dans diverses institutions publiques et privées, yo occupé divers postes même gens ak messe yo. Résultat ça, c'est fruit travail plusieurs générations qui tap goumen pour faire droit femme respectées dans société a. Je n'ai eu mas la vin créé à partir de effort toute femme t'est fait pour permettre de paraître dans société a puisque nous connaît et gen autant femme yo pas de droit avec aucun rien, c'était rete la caille occuper ti moun prendre soin caille là et puis espérer mari yo cap rentrer sur travail. Donc à partir de effort femme yo fait qui paraît tête yo côté yo même y a réclamé 50-50 entre garçon ensemble avec yo même et force à que yo fait a permettre que yo même yo vin créer pour place dans société a. Et tenu compte de et pour ça, l'ONU lui-même prend engagement pour consacrer jou ça avec femme, avec mesdames, par rapport avec engagement mesdames tout dans la société. Malgré les difficultés mesdames rencontrées dans l'IT y a mené, yo pas jamais abandonné. Yo continue goumen pour jouer une place dans la société. Yo souvent dit, femme c'est poteau mitant dans yon famille. Quelques mesdames parlent dans l'occasion 8 mars là, sous sens parole ça. Société ça que nous vivons là-dedans et à travers le monde, que femme c'est l'huile qui fait machine de marché. Sans femme, bois koto ou apman kon bagay, c'est li pou gade si cravate ou bien rangé l'ouap soti, ou apman de chéri kote tel boxeye. Donc, de pou pa gon femme bois koto, que l'on nouvel ou non apman kon bagay. Ou comprenne l'air d'yon femme, c'est pour ton mita que mon femme ne vine pas vivre pour tête li, encore vine à vivre pour petit li. Parce que je voulais petit li à l'an, puis bon l'école que li même, je voulais petit li à l'an, puis bon université. Si lui-même il t'a mangé à tel t'a acheté petite la chita sur table. Là dit mon femme c'est pour ton mitan moi comprendre que femme ça il prêt pour le sacrifier ville il prêt pour le sacrifier nanni pour bien-être ton petit monde. 8 mars c'est journée pour faire promotion pour droit femme tout partout sur la terre. C'est moment pour femme ak organisation kaplité pour droit femme respecter réfléchir sur divers travail génération passée déjà fait pour permettre femme joindre place dans société a. Et puis appliquer une stratégie tout neuf pour y arriver dans l'objectif. Nous allons observer une pause dans le journal là, pas débranché, n'a pas tourné dans un petit moment. Nous retournons après pause là, dans une conférence pour la presse, journée jeudi 8 mars là, organisation Grand Lacou renouvelé, Sipoyo, ak administration Moïse, ak gouvernement Lafontaine. Il aurait été quoi, qu'a bail résultat dans le cadre de mission yo, délégué organisation Grand Lacou à Kervance, lui, fait qu'on est un secteur populaire respecté, choix président République, la Jovenel Moïse, t'es fait des premiers ministres, Jacques-Guy Lafontaine, pour diriger gouvernement. On suit. Et je dis en base Grand Lacou, nous-mêmes nous conseillons la position qui c'est Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, président n'est pas mon premier ministre. Moi, c'est ce président qui est nécessaire pour le dire. Premier ministre n'a pas bien travaillé pour lui, pour ne pas continuer avec lui. Jusqu'à présent, base Grand Lacou toujours motivé dans l'autre Jovenel Moïse parce que c'est lui qui est banou. Jacques-Guy Lafontaine, bien que ce n'est pas le mot qui t'est désigné, qui t'est fait choix, parce que la Constitution a dit pour mon premier ministre, il faut le passer par le Parlement. Le Parlement a toujours une position. En plus, le monde dans la rue a toujours dit oui, mais il n'y a pas le premier ministre. Mais jusqu'à présent, il était côté président Jovenel Moïse qui était désigné premier ministre pour le dire qu'il n'est pas satisfait des premiers ministres. Et puis, laisse ça pour militants ou accompagner pour le faire l'autre choix. Jusqu'à présent, nous-mêmes, nous sommes très satisfaits des premiers ministres parce que ce président a choisi avec Banoul. Jusqu'à présent, il a fait un bel travail, le gouvernement a fait un bel travail et en plus, le monde satisfait des gouvernements. Nous, le premier ministre, Kembela, Palagé, parce que nous-mêmes, nous fiers de où, président Tebaoun, jusqu'à présent, on a bien travaillé, président a bien travaillé, Kembela Palagi. Dossier éducation, commission éducation, chambre des PTA, rencontré jeudi 8 mars là, à ministre éducation nationale là, qui était accompagné plusieurs cadres dans le ministère. Dossier nomination professeur à professeur qui nommé, qui poco touché, était dans mi-temps discussion yo, président commission, qui était Jean-Philippe, dit au fait plusieurs recommandations par ministre pour résoudre problème ça, qui la cause des manifestations élèves dans plusieurs régions dans le pays.
qui a demandé présence professionnelle dans salle classio. Député Jacques Mella a expliqué, ministre l'an bail garantie dans finissement mois maslag et un groupe professeur qui bral touché et puis a traité dossier professeur cap travail qui poko nommé yo. En suivant un extrait d'un micro fédéral confident avec Moïse Rulbridge. Nous avons un mouvement qui a fait dans tout le pays à côté professionnel la rue. Et gain d'abord un ensemble de professeurs pour renommer. Le ministre a dit nous il y a environ 4000 professeurs qui vont renommer. Et gain de 2700 professeurs tout est nommé mais pour que j'aime émerger de budget national. Nous songez l'année passée tout le travail nous a fait. Le ministre a donné une explication et information pour le dire nous. Il était environ et 400 et ils se découvrent en train de toilette la mettre sous lit et à partir du mois de mars il y a imagé dans le budget national. Et pour FACAP, le ministre a dit que c'est seulement le troisième cycle fondamental qui est un problème, le premier deuxième cycle fondamental, le problème est censé résoudre et il y a un ajustement pour les professeurs qui sont dans le troisième cycle et très prochainement il y a un ajustement ça. Dès nous arrivons dans l'INFP, il y a une négociation qui est entamée et une entente qui vient avec les formateurs. Qui va le ministère à 2 mois pour non seulement nommer professeur, mais mettre plus bonnes conditions de travail. Je dis nous, il n'y a pas avancé avec ça. Et pour nous arriver dans la question chèque zombie, le ministère a informé nous, il a joint 122 millions de gouttes et il a continué de travailler sur ça pour rejoindre plus de corps déjà, chèque zombie qui est à psychique là. Comme recommandation, nous-mêmes, nous fait le ministère, c'est que nous demandons. Pour ne pas avoir un professeur dans le système, là, après moi de Massala qui dit qu'il n'y a pas de nommer, pour les gens dans la salle de classe, pour que c'est le ministère qui a l'autorisation, parce que nous ne pouvons pas lever pour aller dans la salle de classe et jongler. Et ensuite, nous demandons pour, normalement, gagner une attention qui va surtout au niveau de la gouvernance. Il y a une bonne heure de cours qui a gaspillé. Il y a des lycées qui ont plus que 100 heures de cours pour les gens par là, pour ne pas avoir une côté pour faire. Mais je pense qu'il faut une meilleure gouvernance de ça. Et puis, nous demandons au ministère pour empêcher que le directeur départemental, l'inspecteur, ait une promotion. Ça paraît le vidéo. C'est le ministère, le premier ministre qui doit avoir normalement promotion. Et il y a des cas qui relatent plaisance. Il y a un cas qui relate côté inspecteur a une promotion, directeur départemental a approuvé. Sud-Est, par exemple, au niveau Côte des Fers, il y a un inspecteur que le directeur départemental a installé. Je pense qu'il faut nous mettre l'ordre dans ça. Et il faut que nous essayions de quitter. Et avec un pile à technicité que le ministère a lui-même avancé dans le travail. Ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué Agénor Cadet, dit qu'il y a 514 professeurs qui nommés, qui ont commencé à toucher dans fin mois mars là. Ensemble de ces professeurs qui a travaillé, qui poko nommé, le ministère a traité dossier ça. Tout ça qui est correct, bral nommé avant longtemps. Cependant, le ministre Cadet dit qu'il y a plusieurs centaines là-dedans qui ont faux dossier. La justice bral poursuivre. Confident Fedner avec Moïse Wilbridge. Il y a un problème, c'est les gens qui ont l'air tant mieux pour que j'aime toucher. Il y a 2700 qui ont été touchés depuis longtemps déjà, qui n'ont pas touché, parce que justement, nous ne pouvons pas redresser les yeux. Pendant que nous parlons là, il y a 481 qui ont émergé dans le budget. Dans le ministère des Finances pour le mois de mars. Donc, dans le période du mois de mars, tout le monde qui a une lettre en main va le toucher. Si tout le monde qui a une lettre en main n'est pas touché, qu'on ait son lettre qui n'est pas arrivé à joindre nous, nous ne connaissons pas du tout. Deuxièmement, il y a des gens qui sont dans la salle de classe sans nos lettres nomination en main. Nous prenons engagement dans le finissement du mois de mars pour tout le monde qui est dans la salle de classe pourvu que vous qualifiez pour avoir une lettre nomination. Cependant, en même temps, tout, dans le pile, tout prendre le code de la justice. Parce que nous avons plusieurs centaines qui ont faux papiers baccalauréat pendant qu'on est dans la salle de classe pour former des gens. Donc il faut que nous tracions un exemple dans la société. Donc nous disons aujourd'hui là, l'État prend engagement pour résoudre le problème. Problème Pronet Sugo, 16-17, il y a 8 départements qui sont touchés. 2 départements seulement qui sont touchés la semaine prochaine, c'est NIP avec 100 pour nous finir avec ça net. Donc en gros, c'est ça le problème. Et nous disons nous-mêmes dans l'État, nous prenons engagement nous pour nous résoudre tout problème qui gagne dans le système nan, et nous demandons aux enseignants yo à élèves qui dans la rue yo, et bien nous prenons engagement nous donc nous disons clairement il y a touché il y a une nomination et le ministère des finances même a travaillé sérieusement sur question arriéré pour nous finir avec problème ça parce que chaque année n'a pris un gros échec dans l'examen l'État parce que justement tant d'apprentissage n'a pas respecté nous même dans l'État nous dit je dis à nous prenons engagement nous tout le monde rentre dans la conscience et nous demandons. Quel que soit mon nom, c'est seulement ministre, l'élégation,
ou bien l'aide par délégation avec approbation, premier ministre qui a nommé Moun, directeur départemental, inspecteur, directeur l'école, par un droit nommé Moun. Désormais, un monde qui entre dans la salle de classe ou qui est son autre monde qui n'a pas autorité qui nomme ou qui met tout là-dedans, son lettre de nomination, eh bien, son jeune c'est pas. Mais il faut que nous résoudre le problème d'abord dans le mois de mars. D'après député circonscription La Chapelle-là, Hermano Exinor, ministre Pierre Josué Agénor Cadet, bay garanti problème professeur qui pas nommé avec professeur qui nommé qui pas touché yo à résoudre pour circonscription pas là. Parlementaire a dit qu'il y a plusieurs écoles qui méritaient réparer et reconstruire pour améliorer les conditions d'apprentissage élèves. Il y a un extrait d'un micro-confident Fedner avec Moïse Wilbridge. Nous avons le soin pour nous parler avec le ministre, surtout sur différents problèmes qui viennent dans le département de la Tibonite et surtout suite avec la nomination qui fait. Et nous avons dit que nous avons dit encore qu'il y a plus de nomination qui fait et les gens qui nous ont ce pas des gens qui sont dans la salle de classe. Et nous avons insisté avec le ministre pour au moins que vous votez correction par rapport avec un modèle nomination en façon que pour les gens qui sont dans la salle de classe, pour au moins que vous avez espoir par rapport avec l'attente auprès des ministres. Là. Et deuxième bagage que nous avons signalé par côté ministre, nous avons dit bien qu'il y a des problèmes qui arrivent. Et problème, nous demandons que pour renforcer l'inspectorat, parce que la majorité des autres qui sont dans le système, l'inspectorat peut-être la cause. Et il faut le renforcer pour permettre que les gens qui sont dans la salle de classe, c'est eux qui touchent les gens qui sont dans la salle de classe, c'est eux qui proposent les gens qui sont dans la salle de classe, c'est eux-mêmes qui réellement jouent une nomination. C'est vrai que nous faisons un rencontre d'échange qui protège un peu le fruit. Et je pense qu'elle conclut avec nous sur plusieurs bagages, tels que nous avons signalé que la CAENO, dans la circonscription de la CAENO, côté que loger l'école nationale, là, c'est là que loger l'ICA. Et nous avons plus que 3 à 4 mois que nous avons fait dynamique, nous avons monté des centres dans le ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai que nous devons aller faire évaluation pour que le ministère prenne des décisions face à des problèmes qui sont dans l'ICA et qui loger l'école nationale. L'école nationale qui loger l'ICA. Bon, comme il dit que la prend des dispositions pour au moins que lui fait direction départementale là. Fait intervention pour au moins que l'élève qui est dans le lycée ou qui est dans l'école nationale. La chapelle le plus ou moins jeune, c'est une amélioration par rapport avec une revendication qu'on gagne. Député circonscription Beaumont, John annonce Bernard, exprimer satisfaction sous Mézi, gouvernement prend pour toute transaction l'agent fait en Gaude sous territoire pays d'Haïti. La parlementaire a expliqué, c'est une plus grosse décision gouvernement prend. Même Jean avec plusieurs autres pays, c'est monnaie nationale là qui doit utiliser. Depuis, Bernard a demandé collaboration tout secteur, en particulier secteur privé, à faire pour application Mézissa. Ensuite. C'est vraie décision ça, il est capable pas favorable à en classe, à un secteur. Parce que la variation de dollars par rapport à Goudla, il est toujours plus favorable à un secteur. On compare qu'il y a un contrat avec Cap. Touché, qui fait contrat à 50 gouttes pour le payer moun, il toujours comme l'avenir en dollars, il paye 50 gouttes, alors que dollar vient de monter par rapport à gouttes là, il profite par rapport à lui-même. Nous saluons la décision ça, parce que il facilite le pouvoir d'achat dans la classe moyenne. Nous battons bravo pour la décision du gouvernement qui finalement. Un gouvernement qui décide pour stopper et dollar sous goutte là. Et c'est vrai, nous sommes d'accord. Député Beaumont, aujourd'hui, il a pris position. Parce que le pays a un problème de positionnement. Souvent responsable, homme d'État, il a pris position. Souvent, il a la lose. Mais nous-mêmes, député Beaumont, nous prenons engagement, nous, aujourd'hui, pour nous dire, nous, derrière le gouvernement, pour décision, ça le prend, faisant de goutte là. Comme devise, l'unique devise, qui est devise nationale, non, pour toute transaction faite, parce que c'est inconcevable. Décision ça favorable pour Timachanio, qui a acheté, vendre en goud, acheté en dollars, et puis il y a un dollar qui a monté sur eux chaque seconde. Nous tous nous d'accord, c'est la bonne décision. Nous tous nous d'accord, nous sommes pays. Nous tous nous d'accord, tout pays, voisin, nous sommes tous les bras. Nous ne sommes pas combien nous là qui vivent à Saint-Domingue. À Goudou, à Bakachtan, même à Dolor, à Bakachtan, à République Dominicaine. Mais nous sommes pays, même là, tout pays. Et je pense qu'on commence à vous signaler ça clair, pour nous rappeler que nous sommes pays. Tout.
Dossier santé, ministre santé publique organisé jeudi 8 mars là, dans l'auditorium faculté médecine et pharmacie, dans Rio Oswald Durand, Port-au-Prince, en conférence débat, dans l'occasion Journée mondiale Rhin. Activité ça a déroulé sous thème le Rhin et la santé de la femme, un facteur majeur à ne pas négliger. Plusieurs personnels dans le domaine de la santé, avec étudiantes et participé non conférence ça. Il y a intervenu dans la conférence de Bassa, Dr. Audi Métayer, dans l'interview lui accordé Télévision nationale d'Haïti, dit 13e journée mondiale RINSA, qui coïncidait avec journée internationale LIT pour respect droit FAMIO. C'est l'occasion pour permettre yo mettre accent sur femmes qui souffrent avec maladie rein dans le pays. Yon extrait dans micro Falande Delphin avec Toussaint Fresnel. Il y a plus de 140 pays qui a fêté journée ça aujourd'hui. Ce qui est important pour me dire, c'est que une femme capable à la fois de gagner toute maladie que un garçon gagne, mais en plus, femme capable de gagner aussi des maladies qui propres à lui-même, qui liées particulièrement à sa fonction de reproductivité. Pour 12 millions d'habitants, nous sommes 6 néphrologues. Mais c'est l'occasion pour moi donc de vous dire que la meilleure façon de nous adresser à nos 12 millions et d'habitants, à nos frères et sœurs, la meilleure façon pour nous de bailler un petit coup de main, particulièrement de la prévention des maladies rénales, c'est justement d'organiser des journées de formation qui visaient, un, les étudiants en médecine et les étudiants et les médecins en formation spécialisée, qui visaient aussi les infirmières, qui visaient aussi les pharmaciens, qui visaient aussi les malades pour qu'on ait une maladie au plus. Du temps où moi j'étudiais la médecine, il y avait un seul néphrologue. Lorsque je suis revenu, on était déjà à 4 et là maintenant on est à 6. Et il faut dire qu'entre-temps, nous avons reçu, enfin donc nous avons et parmi nous le docteur Exantus qui est une néphrologue pédiatrique. Donc cela signifie, au point de vue personnel médical, nous un petit peu plus qu'avant. Deuxièmement, ce personnel est médical intégré à la Société internationale de néphrologie. Ça permet que, eh bien, il y a up-to-date dans ce qu'il fait à travers le monde. Là. En plus, ça permet aussi que ces jeunes des tuyaux pour nous avoir d'autres mondes à faire formation en néphrologie. Ça permet aussi que nous préparer des infirmières spécialisées dans le domaine de la néphrologie et de la dialyse. Ça permet tout que nous montions un centre de dialyse. Ça permet aussi que d'autres centres de dialyse viennent prendre naissance à partir du moment que mon premier centre qui crée l'hôpital général. Faut nous dire, dans l'occasion, célébration, journée mondiale Rhin, hein, responsable Fatma fait dialyse gratis pour plusieurs dizaines de monde qui souffrit maladie insuffisance rénale jeudi 8 mars 2018, là. Test dépistage maladie, journée sensibilisation, c'est quelques activités responsables Fatma yo réalisées pendant jour ça. Selon responsable service dialyse dans l'hôpital Fatma, docteur Jacques Jeudi, initiative ça rentrée dans quatre démarches y a mené pour permettre population qu'on ait danger maladie rein et incapable poter la caillou. En suivant un extrait. Son général Fatma, de concert avec Centre haïtien de greffe que me représenter, de concert avec le programme national de dialyse de l'OFATMA que me représenter tout. Nous déclarer à partir du mois de mars, hein, 8 mars jusqu'à 17 mai, je nous ai inauguré n'a bay dépistage gratuit pour tout le monde qui veut prendre dépistage. N'a bay moun yo côté pour faire et ceci sur toute l'étendue du territoire. Ça nous besoin faire dans sens ça. Si moun nan gagne un problème, nous avons ouais qui s'allier et le ça nous arranger ça nous arrange. On a deux grandes causes maladie rein. D'abord hypertension. Donc on a fait tension, tension le droit. Et les premières causes en Haïti. Aux États-Unis c'est diabète, mais en Haïti c'est hypertension. Nous arrivons au moment pour nous prendre l'autre pause, n'a retourner dans un petit moment. Nous allons faire un coup de pied plus loin la caille. Dans l'occasion, journée mondiale droit femme là, il y a une grève générale observée jeudi 8 mars là. Côté, il y a un rassemblement fait en France pour continuer à demander égalité droit yo. Il y a une grève qui dirait 24 heures de temps. On a l'idée pour faire appel à syndicats yo pour dénoncer négationnistio sous inégalité droit dans le pays ya et puis dénoncer tout violence qu'a faite sous femme yo. Question changement salaire entre femmes et garçons qui a bail problème dans le pays. Côté yoté à 16% dans l'Union européenne dans l'année 2016.
15,2% en France d'après Eurostat. Président français Emmanuel Macron, qui était présent dans dîner CRIFLA mercredi 8 mars, a critiqué décision autorité américaine qui reconnaît Jérusalem comme capitale Israël. Dîner CRIFLA, c'est un dîner conseil représentatif institution juifio dans le pays la France qui est organisé chaque année. Côté diverses personnalités politiques françaises toujours invitées. En suivre. Dans le cadre d'une CRIFLA qui déroulait dans le carrousel Louvre, dans la ville de Paris, devant un millier d'invités, le président français Emmanuel Macron critiquait reconnaissance Jérusalem comme capitale Israël. De Jérusalem comme capitale d'Israël et de la Palestine adviendra. Mais ça doit venir au bon moment du processus, dans un jeu équilibré qui avancera. Toujours dans le dîner CRIFLA, le président Macron déclarait l'État à protéger les gens, lier kilt, l'école pendant tout mandat là et puis promettre pour mener un combat au niveau européen pour le contraindre opérateur Internet qui a objectif pour retirer le contenu qui chita sous la haine et a véhiculé. Le président Macron dénonçait tout boycottage produit israélien. Yo. Quantité de racisme diminue en 2017, mais niveau haine anti-juif a toujours été une préoccupation. Mes grands titres avant nous aller, jeudi, jeudi 8 mars là, marqué Journée internationale droit femmes. Dans l'occasion, plusieurs activités organisées pour honorer bataille pour permettre mesdames yo gain place yo dans société. Dans l'occasion, jeudi 8 mars là, président République là, Jovenel Moïse, invité haïtienne et haïtien yo pour accompagner dans le travail qu'a fait pour gagner un pays juste et équitable envers femmes yo qui c'est poteau mitant société. Mesdames, vous méritez vivre dans bonnes conditions, selon le président Jovenel Moïse. Ministère Santé publique organisé jeudi 8 mars 2018 là, dans l'auditorium Faculté médecine et pharmacie en conférence débat dans l'occasion Journée mondiale Rhin. Activité ça déroulée sous thème « Le Rhin et la santé de la femme, un facteur majeur à ne pas négliger ». Sous Bhopal, au Fatma, fait dialyse gratis pour plusieurs dizaines de monde qui souffrit maladie insuffisance rénale, jeudi 8 mars 2018, là. Test dépistage maladie A, journée sensibilisation, c'est quelques activités responsables au Fatma yo réalisées pendant Joussa. Commission éducation, chambre des PTA rencontré jeudi 8 mars là, ministre éducation nationale là, qui était accompagné plusieurs cadres dans le ministère, dossier nomination professeur avec professeur qui nommait qui poco touché, t'es dans cette discussion yo. Actualité à l'autre bord de l'eau, dans l'occasion journée mondiale droit femmes là, une grève générale observée, jeudi 8 mars là, dans le pays, la France. Rassemblement sa fête pour continuer demander égalité droit yo. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Nous sommes contents avec vous pour présenter l'édition ça. Nous souhaitons tout le monde passer une bonne nuit. Restez suivre reste programmation télévision.